Je me résume. L'Atlantide, ce vieux rêve de l'humanité, ce continent englouti, cette civilisation puissante, nul géographe ne saurait en déterminer avec certitude l'emplacement. Pourtant, ce monde disparu a existé. Que dis-je ? Il existe peut-être encore. Les antiques traditions, les écrits des initiés, ne nous permettent pas de douter de la réalité de ce rêve. Nous avons découvert Troie. Nous avons ramené au jour les cités phéniciennes et égyptiennes. Pourquoi ne retrouverions-nous pas l'Atlantide ? Les hommes remontent toujours à la source de leurs songes. On a soutenu cette hypothèse que l'Atlantide avait été non pas engloutie par l'océan, mais submergée par les sables du Sahara. Hypothèse qui repose sur des arguments solides. Combien de caravanes perdues, d'avions disparus, d'hommes égarés sans laisser de traces ? Il y a aujourd'hui encore dans le Sahara des contrées que nul Européen n'a pu atteindre, dont nul Européen, du moins, n'est jamais revenu. Ne peut-on imaginer que l'Atlantide n'a pas été engloutie tout entière, qu'elle émerge en partie, qu'elle sert de refuge, de centre de résistance et de retraite aux tribus de l'extrême sud, qu'elle conserve des communications avec la surface, que ce n'est pas une chimère cherchée. Qu'est-ce qu'il y a ? Cet homme a raison. Hein ? Parfaitement. L'Atlantide a été engloutie par le Sahara, c'est la vérité. Bon, comment peux-tu le savoir ? Je le sais parce que j'y suis allé, je le sais parce que j'ai vu. Mais quand donc ? L'Atlantide. J'y suis allé il y a 2 ans. Ah oui, l'affaire Morange. Excuse-moi, mon vieux, je n'aurais pas dû te parler de lui. Eh bien quoi, je l'ai lu ton rapport au ministère. Un honnête rapport qui relate à des événements précis, qui ne contenait rien d'incroyable, rien de fabuleux, quoi. Tu étais fait prisonnier dans le sud au cours d'une mission de reconnaissance et Morange a été tué par les Touaregs. Non. Morange n'a pas été tué par les gens du Sud. C'est moi qui l'ai tué. Ouais. J'ai assassiné Morange. Mon meilleur ami. Non, non, j'ai pas la fièvre. J'ai pas besoin d'aller faire un tour en Europe. Je suis lucide. C'est évident. Bien sûr, à l'hôpital, pendant ton délire, tu as dit des choses troublantes. Alors aujourd'hui, parce que le temps est à l'orage, parce que cette voix te rappelait... Nous avions reçu l'ordre, Morange et moi, de reconnaître les vieilles routes qui reliaient jadis la Tunisie au Niger. Simple prétexte. En réalité, nous avions à remplir une mission secrète, oui. Il s'agissait de renseigner le ministère sur la situation extrêmement trouble des pays du Sud. Nous nous étions joints pour la première partie de notre voyage à une caravane qui transportait du sel à Tombouctou. C'était peut-être un Européen. On pourrait au moins l'enterrer. À quoi bon? Ce soir, le vent aurait de nouveau balayé le sable. C'est le Sahara, mademoiselle.
Allô? Entrez. Excusez-moi, mademoiselle. Je venais prendre congé de vous. Vous nous quittez déjà? Et le capitaine Morange aussi? Oui. Ah, naturellement. Et le capitaine Morange aussi. C'est demain à l'aube que nous nous séparons de la caravane. Vous continuerez avec elle votre route vers Tombouctou. Ah, j'avoue que j'éprouve quelques inquiétudes à vous savoir seule. Ah oui, le Sahara n'est pas une promenade pour jeune fille. Très flatté de votre sollicitude. Je gagne ma vie. Excusez-moi, mademoiselle, j'ai interrompu votre travail. Oh, si peu. Du reste, c'est de vous que je parle dans mon article. Ah, j'espère que vous ne direz pas trop de mal de moi à vos lecteurs. Quant à moi, je garderai de ce voyage un souvenir... Moi aussi, lieutenant. Eh bien, à demain, mademoiselle. À demain. En somme, nous ne devrions pas vous laisser seul en plein Sahara. Oh, pas de danger. Mon journal ne me surveille que trop. Adieu. Au revoir, mademoiselle. Dieu vous garde. Au revoir. Au revoir. Non, non. Encore une cote qui n'est pas indiquée sur la carte. À combien l'estimes-tu? C'est bien difficile. 2000 mètres. C'est tout de même drôle, devant ce paysage, de songer à la théorie qui situe l'Atlantide par ici. Oui, oui. Quand j'étais gosse, j'avais la passion de l'Atlantide. Ah, on ai-je fait des voyages sur la carte. Tantôt au fond de l'océan, tantôt sous les dunes de sable. Et maintenant que la réalité est là, peut-être, je ne la reconnais plus. C'est lui. Chauffe. Ah, mais il a raison. C'est assez bizarre. Je vais voir.
Mort de soif? Non, mais presque. Il faut le prendre avec nous, hein? C'est bien étrange, ce Targhee tout seul dans le désert. Boudjma. Ici, dans la montagne. Tribu, Touareg? Non, ici, Makash. Ceci me semble assez inquiétant. Surtout avec ces bruits qui courent actuellement de conflits entre les tribus. Il dit qu'il ne sait plus le chemin. Il y a certainement un chemin qui permet le passage. Nous l'avons déjà vu. Boudjma. Boudjma. Oh, là. Boudjma. Mort. Qui l'a tué? Pas bon. Allez chez les Touaregs avec un guide Chamba. Tu connais le pays? Moi, les connais. Tu seras notre guide, Sir Bencher. Je pense que nous pouvons compter sur ta fidélité. Les chameaux, j'y vais, je reviens. Attention, c'est un vide.
Où suis-je? Où est Morange? Où est Morange? Que voulez-vous de nous? Une rançon, hein? Parle! Quelle rançon? Pas de rançon. Vous revenir, cette fois, avec des soldats et des mitrailleuses. Pas de rançon. Vous restez ici. Mange.
Remis tout à neuf. J'avoue que j'étais très inquiet. Très inquiet. Enfin, le plus dur est passé. Le plus dur, disons le plus désagréable. Ah, mais j'ai négligé de me présenter. Comte Bielowski, Hetman de Jytomyr. Hetman, c'est un titre un peu périmé peut-être, mais enfin, je tiens de ma mère. Mon accent aussi. Hein? Vous n'en revenez pas de pouvoir bavarder ici avec un Européen, hein? Que dis-je? Un Parisien? Oui, oui, le dernier Parisien, peut-être. Ah, il y a bien des choses ici dont vous ne reviendrez pas. Et quand je dis dont vous ne reviendrez pas, c'est le mot propre. Mais ne songeons pas à tout cela. Songeons plutôt à nous distraire. Mais ne songeons pas à tout cela. Songeons plutôt à nous distraire. Voici 20 ans que le destin de sa main puissante m'a déposé ici. Antoine, mon cher Antoine, fait-il quand je suis arrivé. Et maintenant, vous voyez, cher lieutenant, c'est devenu presque habitable. Oui, presque agréable. Agréable surtout quand le hasard m'envoie pour aujourd'hui un connaisseur. Excellente occasion de déboucher quelques bouteilles authentiques. De mon temps, cher ami, on ne buvait pas le cocktail. Mais on avait tort. Le cocktail fouette la machine humaine, l'aide à surmonter les dépressions. Je suis fort surpris d'ailleurs qu'à l'heure du cocktail, M. Torstenson ne soit pas encore là. C'est le seul Européen ici. C'était vous, mon cher. Vous et... Et Morange. Mais où est Morange? Où va-t-il, ce grand garçon? Il ne nous voit même pas. Antinéa, l'a-t-elle vu? Lui? Antinéa? Mais non! Elle ne sait même pas qu'il existe. Charmant jeune homme, hâtons-nous de jouir de son aimable compagnie. Oui, question de semaine. Deux minutes peut-être. Bientôt, il nous quittera pour un monde meilleur. Trop de kiff. Il a trop fumé. Vous savez ce que c'est que le kiff. 40% de hashish, 60% d'opium, c'est une mixture que ne manque pas son homme. Torstenson fume par amour. Soyons précis, par désespoir d'amour. Ivar Torstenson. Antinéa. Antinéa. Enfin, monsieur, que signifie tout ce mystère? Où sommes-nous ici? J'y suis depuis 20 ans. Je ne le sais pas encore exactement.
Enfin, qui est-ce, Antinéa? Atlantide. Atlantinéa. Antinéa. Une reine, une déesse, une femme, vous comprenez? Une déesse? Toutes les femmes, mon jeune ami, ne sont-elles pas en quelque sorte divines? Buvons, buvons sérieusement, buvons aux filles des dieux, si belles que mourir pour elles est encore une volupté. Faute de mieux, n'est-ce pas, Monsieur Thorstenson? Antinéa. Elle m'appellera. Aujourd'hui, peut-être, aujourd'hui, j'en suis sûr. Oh, mes félicitations, lieutenant. Vous êtes aimé des dieux. Antinéa veut vous connaître. Vous allez la voir. Vous allez la voir. Vous allez la voir. Des enfants, de vrais enfants. Vous me prenez pour un lâche? Un assassin? Ça m'est égal. Vous finirez comme moi. Exactement. Allez vite. Antinéa vous attend. Thank you.
coucher. Ne salerez-vous pas, monsieur Torstenson, une dernière fois? Comment ça, une dernière fois? Charmant visage maintenant. C'est la jeunesse de la mort. Et voici ces petits objets familiers, ces reliques. Prenez ceci. En souvenir de lui. Les funérailles auront lieu demain. Vous serez des nôtres, n'est-ce pas? Non, je n'ai pas de parole à donner. Pas d'engagement à prendre. J'exige la mise en liberté immédiate de mon compagnon, le lieutenant de Saint-Avit, et de moi-même, capitaine Morand. C'est tout. Je n'ai rien à ajouter. Un homme.
Gandinia, peut-être. Monsieur Gandinia. Lieutenant, au nom du ciel, vous allez vous perdre. Vous ne retrouverez jamais le chemin. Morand! Antinéa. Vient-il? Non, Tam Nukal. Le capitaine Morand. Refusé? Lui? Refusé? T'en as à le chercher. De force! Non! Reste. Vous allez répondre sur le champ à ma question. À votre disposition, capitaine. À votre disposition. Qui est le mort qu'on a enterré? Ma parole, j'ignore. Vous aurez pris pour un enterrement une petite fête locale. Une catastrophe, capitaine. Une catastrophe. Avant vous, tout allait toujours si bien. Et maintenant, à cause de vous, on ne sait plus sur quel pied danser. Antinéa M. Pour la première fois. Oh, capitaine, de mon temps, si j'avais été le premier amour d'une femme, j'aurais plutôt mis le feu à Chitomir. Capitaine, Antinéa M. Vous comprenez. Assez. Je vous somme de me dire où est mon ami. Oh, votre ami. Demandez-le à Antinéa. Antinéa! Bonsoir, mon ami! Enfant de retour? Loué soit Dieu! Vous trouvez ça gentil, vous, de me faire des peurs pareilles? Buvez, mon ami. Vous avez tant couru. Buvez, ça vous remontera. Je veux revoir Antinéa. Il veut voir Antinéa. Antinéa. La voilà. Qui est Antinéa? Je vais vous le dire. Antinéa. C'est Paris. Antinéa, c'est Paris. Paris!
de moi. Quand tu seras reine, Clémentine, j'espère qu'il y aura toujours, à votre cour, une place pour un vieil ami. Elle s'appelait Clémentine, la chère belle. Clémentine, Clémentinéa. Clémentinéa. Pas un seul mot, cher lieutenant, mais discret. Secret d'État. Secret d'État. Celui qui a perdu aux échecs a perdu le repos. Celui qui a gagné un amour a gagné la mort. La mort? Qui? Qui doit mourir? Je ne sais pas, maîtresse. Les osselettes ont dit la mort. Mais pas toi. Non, pas toi. Lui. Encore. Sauvons-nous. Non. Il faut que je reste. Je suis sûr qu'elle va m'appeler aujourd'hui. N'est-ce pas? Pourquoi pas?
ni toi, ni personne. Elle a chassé tout le monde, même le guépard. Antinéa aime. Conduis-moi chez elle. Non, non, je ne veux pas, elle me tuerait. Est-il vivant? Je vous prie de me répondre. Où est mon ami? Vous allez me répondre immédiatement, vous m'entendez? Il faut. Avancera-t-elle?
Celui qui a perdu aux échecs a perdu le repos. Viens vite. Thank you.
La paix soit avec toi, lieutenant de Saint-Avit. La paix soit avec toi, Sourire Ben-Cher. Épargnez l'eau. Beaucoup de puits sont taris. Le prophète permet au juste de placer une fois dans sa vie la pitié au-dessus du devoir.
m'a transporté à l'hôpital, où je suis resté plusieurs semaines. Allons, mon vieux, viens. Nous n'avons plus que 2 heures à dormir. Capitaine, patrouille, ramenez ce targui. Il ne veut pas parler. La paix soit avec toi, capitaine de Saint-Avit. La paix soit avec toi, Sir Bencher. Mon capitaine. Laisse-le, je le connais. Bien. Bonjour.
Mon lieutenant, le capitaine n'est pas encore rentré. Comment? Le capitaine est sorti? Oui, il y a 2 heures. Seul. Ça.